Dans la lignée des accords de Paris sur le climat, l'ambassade de France s'engage en faveur de l'environnement. Par l'intermédiaire de son service de coopération et d'action culturelle, l'ambassade met en œuvre un programme d'appui aux sociétés civiles et coalitions d'acteurs, le programme PISCA. Les 19 projets soutenus dans le cadre du programme font la part belle aux initiatives de type réintroduction d'espèces sauvages menacées, pratiques agricoles éco-responsables et recours aux biopesticides, bio-engrais, également instauration et diffusion de bonnes pratiques en matière d'hygiène au sein d'établissements scolaires, notamment en temps de pandémie de Covid-19. À partir de la signature des accords de Paris en 2015, l'AFD a fait évoluer sa stratégie climat avec l'engagement que l'ensemble de ses projets contribuent aux engagements pris au sein de cet accord. Parmi ces engagements, c'est que 50% au moins des financements de l'AFD doivent produire un co-bénéfice climat à moyen terme. Et sur le terrain, cela se traduit concrètement par des discussions étroites avec les partenaires maliens. À titre d'exemple, l'AFD intervient dans l'énergie, le secteur de l'énergie, à travers la construction de centrales solaires et de centrales hydroélectriques. L'AFD intervient également dans l'agriculture, à travers des projets d'irrigation pour réduire ou diminuer l'impact de la sécheresse. L'AFD intervient également dans des infrastructures urbaines à travers la construction et la consolidation des réseaux de drainage pour diminuer l'impact des inondations.